monsieur, bonjour. Merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de son programme au quotidien. Espace miné, on ne le dira jamais assez. Espace miné est une affaire des mineurs. 10h-11h52, nous balayons le couloir en télévision. C'est d'ailleurs le meilleur 10-12 en Afrique ce matin. Nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information. Rien que l'information, mais alors toute l'information. Nos rubriques n'ont pas du tout changé. Tout à l'heure, nous allons accueillir, comme cela se doit, la très étincelante Claudia Ntia pour cette information parue en kiosque. On marquera aussi un arrêt, comme d'habitude, pour la dénonciation du jour. C'est des rubriques qui ne cessent de gagner de l'ampleur et monter en intensité. La dénonciation, c'est un fait de société qui vous énerve à notre niveau. Nous avons le courage de le poser sur la table des débats. À la fin, nous proposons quelques esquisses de solutions. On terminera par l'instant de l'analyse. Et ce matin, nous parlerons encore de politique avec une interrogation. Doit-on encore accorder du crédit aux hommes politiques africains? Le cas singulier du Cameroun nous intéressera au premier plan. Quel est le regard que vous posez sur le crédit des hommes politiques au Cameroun? Ce matin, je vous dis également que nous continuons à émettre sur le canal 317, sur Canal Plus International. Nous sommes basés à Yaoundé au Cameroun, c'est la capitale justement du pays que dirige son Excellence Paul Biya. Ce matin, nous marquerons aussi un arrêt pour parler de l'eau potable au Cameroun avec ces dernières nouvelles qui nous viennent du ministère de l'Eau et de l'Énergie. La cité capitale Yaoundé est en haut, pour parler comme certains, au niveau du quartier. Et pourquoi les Yaoundéens sont contents? Nous en parlerons dans le cadre justement de cette production. Et nous accueillons nos amis qui sont déjà présents. Une fois n'est pas coutume, je commence par le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Oui, c'est le seul consultant qui nous restera lorsque tous les autres petits consultants auront pris la poudre des scampettes. Il est descendant de Oumiobé, il est un digne fils de Boumiébel. Pierre Bleurignamé, bonjour. Bonjour, papa ici, merci de m'associer à la réflexion de ce matin. Heureux d'être là. Pierre Bleurignamé, que la sagesse de ce jour. La confiance se nourrit de la sincérité et la sincérité renforce la confiance. On peut reprendre. La confiance se nourrit de la sincérité et la sincérité renforce la confiance. Ça veut dire quoi? La sincérité, c'est le fait de dire exactement ce qu'on pense. Mmh. Et ce n'est que parce que vous n'êtes pas hypocrite que vous méritez la confiance des autres. Mmh. Très souvent, on voit les gens revendiquer qu'on ne leur fait pas assez confiance. Si vous n'êtes pas sincère, qu'est-ce qui va nourrir et entretenir la confiance? Les deux sont liés. C'est dans la sincérité qu'on entretient. C'est par la sincérité qu'on entretient la confiance. Et la confiance grandit au fur et à mesure que la sincérité s'établit. Sous d'autres cieux, j'avais vu, hein, on licenciait des employés et on mettait perte de confiance. Le motif perte de confiance. Oui, perte de confiance. Ça me faisait souvent rire. Mais plus j'ai grandi, je me suis rendu compte que ce n'était pas aussi un motif anodin. C'est pas un motif bidon contre perte de confiance. Lorsqu'entre l'employeur et l'employé, cette sincérité ne passe plus. L'un est devenu hypocrite, menteur, fourbe. Il y a perte de confiance. Il y a une crise de confiance. Il y a une... Oui, mais il y a la crise, c'est avant la perte. Mm. Au départ, c'est la crise. Ouais. Ensuite, il y a perte de la confiance. Lorsqu'un partenaire vous ment ou vous cache une vérité, c'est un manque de sincérité. Tout à fait. La confiance s'en trouve mal. Donc, c'est comme ça que la confiance se perd. Lorsque la sincérité fait défaut. Mm. Vous pouvez être quelqu'un de bon, mais si vous n'êtes pas quelqu'un de sincère, on ne vous fera pas confiance. J'avais aimé ce motif. Hein. Perte de confiance. Lorsque j'ai maîtrisé sur une grande entreprise, si je vois qu'il y a un employé bizarre, et s'il y a eu, crise de confiance, je pense qu'il y aura perte de confiance. Et là, je préfère qu'on se sépare. Mais toi, tu... Parce que sinon, nous ne faisons plus confiance. Il y a un problème. On ne peut plus travailler ensemble. Ouais, il y a beaucoup de motifs. Il y a commérage. Colportage. Colportage. Voilà. Il y a aussi bien à licencier les gens. Hein. Motif,
colportage. J'ai dit, hey, il s'agit de quoi? Il y aura en français facile, il s'agit du Congo, ça. Oui, oui, ceux qui font, qui portent d'une personne à une autre. Effectivement, dans l'entreprise, on a tous ces individus. Tout à fait. Il y a ces gens-là qui ne servent pas à grand-chose qu'à s'aimer la zizanie. Il vient depuis le matin, hein. Il monte là, Aïssia a fait que, Niemega dit que... Alors, c'est le... dans certaines entreprises... Il pollue l'atmosphère. On entretient ce genre d'individus parce que certains patrons croient qu'ils en ont besoin pour maîtriser l'environnement de travail. Mais sachez que chaque fois que quelqu'un colporte, il a toujours un intérêt. Ça, c'est clair. Il a toujours un intérêt. Et quand vous commencez à entretenir celui qui colporte, quand il n'a pas quelque chose de vrai, de réel à dire, il crée. Faut bien qu'il soit rémunéré. Donc, il crée des histoires, ainsi de suite. Il devient donc un venin pour la structure. Et très souvent, au départ, il est aimé. Mais quand il est découvert, parce qu'on finit par le découvrir, hein, il devient la risée de tout le monde. Et ça fait honte, surtout si c'est un homme. Ça fait honte parce qu'on dit le truc. C'est vrai que de plus en plus, certains hommes font le Congo ça plus que les femmes. Hein. Ils se discutent d'ailleurs la palme d'or. Merci Pierre Blériot pour ses éternelles sagesses matinales. Nous allons accueillir Anko et Bobissé et Guy Savinien. Bonjour Guy Savinien. Bonjour Bafin. Comment vous allez? Très très bien. Merci de m'accueillir une fois encore sur votre très honorable plateau. C'est la deuxième fois que vous allez déminer l'espace. Avec grand plaisir. La première fois, vous avez eu un écho favorable? Ah ben oui, et surtout après l'émission, j'ai reçu une centaine de coups de fil. Et cela m'a fait chaud au cœur. Et voilà. Mais vous n'avez pas fait en sorte que l'équipe de production le sache? Je suis là. Ah, d'accord. Je suis là et j'espère que ce n'est pas la dernière fois. Donc, du coup, non. Effectivement, si tu disparais comme tu as disparu, là, ça risque la dernière fois. Non, c'est. Je préfère te le dire comme ça. Je ne pense pas que j'ai disparu du plateau, mais je sais que je suis resté proche de grand présentateur que tu es. Donc, il n'y a pas de risque que cela arrive. Non, j'ai apprécié le passage la dernière fois et nous avons débattu des thèmes qui étaient d'un thème qui était profond, qui a certainement retenu l'attention des téléspectateurs qui m'ont appelé, qui continuent encore parce que d'autres disent qu'ils ont fait des pieds et des mains pour avoir le contact personnel pour pouvoir. Et voilà, donc on a eu de l'accompagnement jusqu'à Maroua Ngaoundéré au travers de l'émission que nous avons eue, puisqu'on proposait encore une fois notre action sociale sur la possibilité de pouvoir construire à crédit, habiter sans payer et puis payer plus tard, quoi. Donc c'est une formule qui de plus en plus satisfait des Camerounais et qui permet à tout le monde, tous les ménages sans distinction de budget. C'est-à-dire que quelqu'un peut partir de zéro et finalement il a une maison. Dans tous les et cas. Il peut construire à crédit. Voilà. Dans tous les c'est-à-dire cas. Il faut contact. Oui, nous partons du principe que vous avez au moins un loyer que vous payez, oui. Peut-être de 50 000 francs. Tout à fait. Donc, on vous construit une maison pendant la période où la durée du chantier, vous continuez à payer votre loyer normalement. Et après, lorsque la maison est prête, on vous remet les clés et vous aménagez dans la nouvelle maison. Et vous continuez à payer les mêmes 50 000, mais non plus au bailleur, mais à l'entreprise qui a construit gratuitement pour vous. Et donc, c'est une période qui est donnée avec un pourcentage symbolique de 1 à 3%. Et voilà. Et puis, au terme de la période, lorsque vous appurez... Quand vous dites ce que vous faites savoir là, beaucoup pensent que vous êtes en train de raconter les histoires des films. C'est du concret. Et vous avez construit à peu près combien de maisons avec cette approche? Nous sommes au 213e. 213e maison. Oui, exactement. À crédit. Oui, tout à fait. Avec cette formule. Donc, je voudrais que avant que cette émission s'achève, je voudrais que certains qui ont bénéficié, s'ils peuvent envoyer des messages. Hein. Voilà. Parce que moi, j'aime le concret. S'il y en a qui ont bénéficié qui de cette approche, bénéficiaires en ce moment de voilà, ou bien qui sont bénéficiaires en ce moment, ou bien qui ont bénéficié, envoyer des messages, ou bien qu'ils sont en chantier, envoyer des messages pour un témoignage. Parce que je vous assure, pour le commun des mortels, on pense qu'on fait dans le vaudou. J'ai vu mes cités regarder bizarrement. Non, c'est une expérience qui est fort intéressante.
Et comme j'ai dit, nous sommes en train de faire nos premiers pas dans l'Adamawa et dans le Nord Cameroun. Et moi, j'appuie beaucoup plus parce que c'était au lendemain de cette émission qu'on a commencé. Nous étions surtout basés dans le Grand Sud. Donc, l'émission a été véritable déclencheur pour aller du côté Grand Nord. Surtout qu'après ça, bon, j'ai eu encore l'opportunité de rencontrer Monseigneur Emmanuel Abou, l'évêque de Ngaoundéré, avec qui j'ai discuté très amplement de ce produit, donc du coup qui nous a apporté un appui pour faciliter la mise en œuvre de ce côté. Tout ceci après l'émission. Après l'émission. Et c'est en plein plateau que moi je suis au courant. Ah ben, d'accord, c'est pas grave. Hein. Ta maison, ta prochaine maison est un projet. Je sais que j'aurai ma prochaine maison avec vous. Bah, moi, je ne peux pas donner des maisons aux gens. Moi-même, je n'ai pas une maison avec vous. Ce n'est Charity pas begins at home. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Je souligne que encore et Bobby C. et Guy Savignan est ingénieur de formation. Donc, il sait de quoi il parle. Mais sur ce plateau, il sera surtout reçu en sa qualité de président national de l'Alliance pour le développement et et la paix. Vous comprenez qu'il est également un homme politique. Merci d'être là ce matin. À côté de vous, on accueille un vieux de la vieille. Lui, c'est Émile Messi, qui est un digne représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il le soutient jusqu'à ce matin encore les idéaux du RDPC, valablement soutenu aussi par le président national, le président national, son Excellence Paul Biya. Émile Messi, bonjour. Bonjour Perfecto, bonjour Niamek, bonjour aux copanélistes, bonjour aux millions de téléspectateurs de cette émission. Je suis très content d'être là ce matin. Comment vous allez, Émile Messi? Lorsque, même si la forme n'y est pas, lorsque je suis... Un peu malade? Invité par Espace Miné, la forme revient très rapidement. Donc pour dire que tout va... C'est le grand hôpital, hein. Le grand hôpital. Pour vous qui avez des soucis, pour vous qui êtes chargés, venez à Espace Miné et vous aurez du réconfort. Et nous serions soulagés. Je pense que ma présence ce matin ici me soulage beaucoup. Merci Émile Messi d'être dans là ce matin. Une touche pause s'impose. À tout de suite pour la suite. Bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour aux millions de téléspectateurs qui regardent Espace Miné ce matin. Bonjour également à tes panélistes. Bonjour à qui? Aux panélistes. Ah d'accord. Vous avez parlé comme une actrice de cinéma. Je n'ai pas bien suivi. Je n'ai pas suivi les panélistes. Non. Bonjour aux panélistes. C'est un plaisir d'être là ce matin. Alors parfait. J'ai un petit dessin. Un petit dessin. J'ai fait une petite caricature de l'un de vos panélistes. Vous dessinez de temps en temps? Oui, de temps en temps. Est-ce que je peux montrer ce que j'ai fait? Bon, que le caméraman soit prêt. D'accord, ok, d'accord. Allons-y. Alors, ça c'est mon dessin. Il s'agit ici de Pierre Blériot-Niemec. Ah bon? C'est vrai qu'on n'en voit pas encore bien à l'antenne. On va faire un zoom. Oui, je pense qu'il faut le faire. On va bien voir. Voilà. Vous dites que c'est qui? Pierre Blériot-Niemec. Oui, c'est lui ici. Il est beau, non? Attends, c'est quoi ces oreilles-là? Mais ce sont les oreilles de Blériot. Et attendez, vous savez que Blériot n'a pas de cheveux sur la tête, donc j'ai quand même essayé de lui donner, de mettre une petite perruque. Donc je pense que là, bon, c'est mignon. Je savais que tu n'aimais pas beaucoup Blériot, mais bon, lui fait ça en direct. C'est un signe d'amour. Un signe d'amour. Ça sent beau dessin. Avec cette caricature. Bon, c'est quand il était petit. Oui, je pense. Et ça, c'est son bim. Non, le gros dessin, ça, c'est son bim. En 2024. Voilà. Claudia n'est pas sérieuse.
De toutes les façons, Claudia, tu nous as fait bien sourire ce matin. Je pense que Blériot va faire un agrandissement pour son salon. Claudia. Bizarrement, il ne dit rien, je ne sais pas pourquoi. Non, ça lui fait ton cœur. Une bombe avec un mot qui m'attend. Les mots lui manquent. Hein. C'est l'émotion. On va prendre la quintessence de l'information parue en kiosque hein, avec la petite Claudia. Claudia, que disent les journaux? Alors, parfait, ici, les journaux disent ce matin que le prix du kilogramme du cacao est maintenu entre 5 000 et 6 000 francs CFA, la grande satisfaction des cacaoculteurs qui disent merci au président Paul Biya, le crieur de la météo, porte la nouvelle en page 3. Autre bonne nouvelle à célébrer ce mercredi, pénurie d'eau potable, fin du calvaire pour les populations de Yaoundé et ses environs. Le quotidien, en faux matin, ouvre les vannes du projet Pipis, dont la mise en service et le lancement officiel a eu lieu hier à Batinga, dans le département de l'Aléké, au nom du président de la République, le ministre Gaston Elundu Esomba, qu'accompagné pour l'occasion une forte délégation ministérielle a procédé au lancement du dit projet. Le messager consomme aussi cette eau potable en provenance du fleuve Sanaga et dit adieu au robinet sec. Dans sa publication du jour, Mutation s'intéresse également au projet Pipis et nous propose de lire comment l'eau va arriver jusqu'au ménage. Le défi de la distribution de l'eau s'oppose en page 3. Cameroun Tribune est aussi au parfum de cette actualité. Eau potable à Yaoundé, les vannes ouvertes, apprend-on. À la une du cri hebdo-le-soir, mise en service officielle des installations du Pipis par le minier, le couronnement de la volonté présidentielle à découvrir. Dans ce journal, l'avenir est radieux ce mercredi grâce au projet Pipis. Le journal nous fait savoir que Paul Biya tient parole. Le Miroir s'intéresse à cette information et nous indique que Yaoundé sera bientôt inondé en eau potable. Autre actualité à lire en kiosque ce matin, régulation des médias, violation de la liberté de presse, l'Indépendant analyse l'information en page 3. Voici le jour, le quotidien nous donne des nouvelles de l'affaire Glencore. Amenmana nous fait savoir que la DGI pourrait réclamer plusieurs millions de francs CFA. Milliards. Plusieurs milliards, autant pour moi. L'actualité en kiosque ce 20 août se poursuit avec la nouvelle expression qui fait des révélations. Steve Hakem en vie, informe le journal en page 5. Dans l'actualité sportive, Capital Info ouvre l'antre et écrit sur Marc Brist. Le petit coach en danger, dit-il dans sa une du jour. Il y a donc du mouvement à la FECA Foot. On ne touche pas Eto, voit le jour. Le témoin en kiosque révèle les propos de Francis Tamak à l'occasion d'une assemblée générale. Entre-temps, la rencontre entre le Cameroun et la Namibie approche, prévue le 7 septembre prochain. L'info à chaud nous dit ce matin que le match va se jouer à Japoma, qu'il pleuve ou qu'il neige. Loin du sport, Ecomatin s'intéresse aux échanges commerciaux. Les inquiétudes du Cameroun face à l'accord commercial avec le Royaume-Uni s'intensifient en page 10. En santé, Joseph Benboum pose son regard ce matin sur l'OMS Afrique qui, pour relever les défis après Moïti, dont le mandat s'achève. D'après EcoSanté, 4 candidats sont en lice. Prenons des nouvelles de la région de l'extrême nord. Le journal d'information régionale du Sahel nous informe ce mercredi que 3 départements sont menacés de crise alimentaire. Nous restons dans la région de l'extrême nord pour parler cette fois-ci du port fluvial de Garoua, l'économie quotidienne qui porte l'actualité ce 20 août, présente aussi les opportunités de réhabilitation à découvrir en page 3. Je clôture en politique avec le flambeau à quelques jours de la fin des inscriptions sur les listes électorales pour le compte de l'année 2024. La sous-section RDPC Seine-et-Marne, dans la section RDPC France Nord, tient sa deuxième réunion d'évaluation du processus sous la houlette de son président Pierre Gervais Ngouédeux. Il entend ainsi mettre les bouchées doubles avant la fin de l'opération prévue le 31 août prochain. Merci Claudia pour toutes ces informations bien fraîches parues en kiosque au Cameroun. Après cette belle caricature de Pierre Blériot, je vous souhaite de passer une excellente journée. Hein. Merci, parfait ici. Et nous nous disons à demain 10h. À demain 10h, s'il fait Dieu, bonne suite d'émission.
Merci. Et il y a une bonne partie de la presse camerounaise qui a décidé de relayer l'une des actualités fortes au Cameroun. En ce moment, il s'agit justement de la ville de Yaoundé et ses environs qui est désormais arrosée d'eau potable. Info matin du très grand frère Dieu de Nainvent, quotidien, titre pénurie d'eau potable, Yaoundé et environs, fin de calvaire. Ce n'est un secret pour personne, hein, Émile Messi. Depuis des années, il y a des fortes pénuries d'eau dans la cité capitale du Cameroun. Et je n'ose même pas parler des environs. Maintenant, un projet avait été lancé, le projet Paipis, qui part du côté, je pense bien, de la Sanaga, du côté de Batinga, pour Yaoundé. Hier, c'était donc la mise en eau. C'était l'inauguration. Nous avons vu le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundu Esumba, à la manœuvre avec certains autres responsables du gouvernement, boire ces verres d'eau et célébrer justement cette capitale et environ qui seront dorénavant arrosés d'eau potable. Votre réaction à chaud? Non, parfait, vous avez planté le décor. Juste pour ajouter que, avec l'inauguration hier à Batinga de ce point d'eau, si on peut le dire ainsi, qui va arroser la ville de Yaoundé et ses environs de 300 000 mètres cubes d'eau par jour, vient matérialiser là l'une des grandes opportunités de ce septennat du chef de l'État. Vous savez que en 2019, lorsque le chef de l'État lui-même a donné le ton en disant que ce projet avait pour ambition de venir combler le déficit en eau potable dans la ville de Yaoundé et de ses environs, il faut souligner aussi que jusque-là, le potentiel en eau dans la ville de Yaoundé est de 250 000 mètres cubes d'eau par jour. Et jusque-là, Yaoundé ne recevait que 1185 mètres cubes d'eau, c'est-à-dire 135 qui venaient d'Akomia dans Balmayo et les 50 000 du côté de Mfou. Ça fait donc que nous étions largement en deçà des attentes de l'eau. Aujourd'hui, donc, nous avons un supplémentaire de 300 000 mètres cubes d'eau par jour. Je crois que c'est un véritable soulagement dans la ville de Yaoundé. Nous qui sommes à Yaoundé là depuis les coupures d'eau, les pénuries en un point finir, et qu'on nous dise que désormais nous avons 300 000 mètres cubes d'eau supplémentaire, je crois que Yaoundé, qui est d'abord une capitale politique, siège des institutions, la ville qui abrite le corps diplomatique avec tout ce que vous pouvez imaginer, je crois que c'est véritablement, quelque part, c'est un soulagement, comme je l'ai dit. Quand on sait que l'eau, comme on le dit communément, l'eau c'est la vie, je crois que les maladies qui sont dues, causées par un déficit d'eau, par la saleté, et tout ce que vous entoure cela, parce que quand il n'y a pas d'eau, la saleté, la concentration de la saleté, les maladies et tout, aujourd'hui on pourra laver les mains allègrement, laver les habits, faire la toilette, faire les propriétés tout autour avec l'eau qui sera en abondance, bien évidemment. Nous avions assisté à l'inauguration. Tout à fait. Mais on et nous avons des images en direct. Hein. Nous se posons encore des questions. Que est-ce que Kamwata, donc, qui a parfois un matériel vétuste, avec une tuyauterie désuète, avec des installations parfois qui sont prêtes à craquer à la première vague d'eau, je crois qu'elle a aujourd'hui un challenge à relever. C'est-à-dire pour que la distribution soit harmonieuse pour tous les ménages. Et bien évidemment, beaucoup de ménages n'ont pas encore de compteur pour être alimentés en eau. Et on espère bien évidemment que des branchements parallèles et frauduleux qui faisaient en sorte que l'eau soit toujours sale et tout ça, toutes ces choses-là, nous allons peut-être vivre la fin du calvaire. Donc, pour dire que vraiment, c'est une très bonne nouvelle. C'est l'une des réalisations, c'est l'une des concrétisations des grandes opportunités. Et puisqu'on parlait de ces réalisations,
des grandes opportunités. Vous savez que tous les 31 décembre, depuis pratiquement une dizaine d'années, je commente les discours et j'analyse les discours du chef de l'État à la nation. Le 31 décembre dernier, le président de la République, son Excellence Paul Biya, lançait cette annonce hein, de manière forte et disait que dans quelques mois, les pénuries d'eau, là je le paraphrase, à Yaoundé ne seront qu'un triste souvenir. Il a annoncé, il a parlé de Yaoundé, il a parlé de Douala. Pierre Blériot Niemek, nous allons parler du crédit accordé en cause en politique camerounaise tout à l'heure. Est-ce que pour l'instant, le président Paul Biya n'a pas a parlé et maintenant nous avons la concrétisation. Il a dit le 31 décembre dernier, au moment où nous parlons, Yaoundé et ses environs sont maintenant arrosés d'eau potable. Je repasse la parole. Bon, quand c'est fait et quand c'est bien fait, il faut apprécier. On pourrait dire autre chose, mais pour ceux qui ont vécu les pénuries d'eau à Yaoundé, ils savent que c'est un grand soulagement. Personnellement, j'ai reçu un certain nombre de messages de personnes qui encourageaient le projet PIPIS, projet d'alimentation en eau potable de Yaoundé et de ses environs. Le descriptif qu'a fait M. Messi est tout à fait exact. On n'a pas souvent dit aux gens pourquoi il n'y avait pas d'eau dans les robinets. C'est qu'on rationalisait l'eau. On donne ici, on coupe là-bas. Il y a des quartiers entiers de Yaoundé qui avaient totalement sombré hein, dans tout ce que vous pouvez imaginer comme maladie hydrique. Aujourd'hui, c'est un grand soulagement. Maintenant, il reste que Kamboata, comme il a indiqué, prenne la relève. Je crois d'ailleurs que cela devrait se faire en synergie. J'ai vu sur beaucoup de plateformes depuis hier des cris de joie. C'est tout à l'honneur d'un pays qui veut aller vers le développement. On dit que l'eau, c'est la vie. Quand il n'y a pas d'eau, il n'y a rien du tout. Donc, c'est un projet qui a démarré en 2019, je crois, qui a duré sur 5 ans pour sa réalisation. Mmh. Bon, on va mettre de côté la longueur du projet. Disons, pour être exact, il a duré 90 mois. Il y a très peu de projets qui se réalisent en fin de compte. Celui-là s'est réalisé. Il faut en féliciter ceux qui l'ont conduit. Merci Pierre Blériot. Au moment où nous parlons, je reçois plusieurs messages. Hein. Quelqu'un qui me fait comprendre ici que ça peut expliquer la présence de l'eau dans certains quartiers et depuis 5 jours. Je n'en reviens pas. Un autre dit super. Un autre message, j'ai constaté une forte pression jamais vue ce matin au robinet. Bonjour à tous. À Olembe, l'eau était disponible quelques heures, 2 fois par semaine. Depuis jeudi, l'eau coule de manière permanente. Les 2 premiers jours, elle était très sale, mais maintenant elle est plus proche et il n'y a plus de dépôt après décantation. Un autre message, l'eau coule avec une pression satisfaisante à Simbok, du côté de l'école de guerre. Un autre message, Petit Marché Fougerolles, l'eau coule avec une bonne pression. À Rapi, Odja, l'eau coule depuis hier sans interruption habituelle et avec une bonne pression. Mendon, derrière le commissariat, mouillé depuis 3 jours. Ce message, oui. Alors, un autre, Santa Barbara Tchad. Santa Barbara Tchad, c'est où? Oui, c'est à Santa Barbara. Ah, ah bon? Oui, oui, il y a une grande communauté. À l'hôpital général. Je ne connaissais pas ce nom. Hein. Mmh. Alors, il dit Santa Barbara Tchad, zone mouillée. Non, zone mouillée. Il y a de l'eau. Un autre message, l'eau coule à flot à Emanapon, chez le maire, après plus de 2 mois d'interruption. Un autre message, je confirme, depuis quelques jours, l'eau coule vraiment. J'espère que c'est définitif. Un autre message, oh merci beaucoup, faut préciser, le lieu est Kounou Impo, entre Petit Goudron, je peux me doucher maintenant autant de fois que je souhaite. Un autre message, oui, oui, au Obobogo, on a de l'eau à flot. Au Obobogo, c'était la magie, hein. Il y avait des très bons messages. On avait pas de l'eau. 4 le loyer. Vous voyez, une maison qui peut coûter 200 000 francs le mois, alors vous pouvez recéter à 40 000. Il n'y a pas d'eau. Il n'y avait pas de l'eau. Un autre, je confirme, même à Bilic, c'est l'eau minérale maintenant qui coule. Bilic, c'est où?
Alors, ah, il dit Emana Bilik, donc Bilik là doit être du côté des Mana. Oui, j'ai eu des gens de Damas qui m'ont dit que ça coule. C'était la même chose à Damas, hein. Damas c'était la sorcellerie. Était déjà rayé de la carte de Yaoundé. Oui, Damas c'était la sorcellerie. Parce qu'à un moment donné, j'avais habité Damas, l'eau venait peut-être deux fois par semaine. Deux à trois fois par semaine. Et quand ça venait, ça a disparu. Ça venait vers 2h30. Et ça coule pendant 30 minutes. Et ça coule même, il y a même pas une forte pression, hein. Et c'est sale. Et maintenant, Bléro me dit même qu'à un moment donné, c'est parti. On avait enlevé Damas. Emana nouveau quartier à côté du lycée et l'hôpital de mission, selon les témoignages locaux. Alors, je préfère m'arrêter à ce niveau, hein. Il y a plusieurs autres messages, plusieurs autres témoignages. Nous allons passer la parole à Anko et Bobby C pour qu'ils donnent également son avis sur cette bonne nouvelle. C'est vrai que depuis hier, j'ai discuté avec certaines sources ou certains amis qui me disait que est-ce qu'on doit vraiment célébrer cela, l'eau qui coule dans une capitale d'un pays, est-ce que c'est un événement? Mais maintenant encore Bobby, c'est un événement, non, c'est quand toi, parce tu n'en avais pas, c'est quand tu vis dans un pays normal que toi tu ne sais pas que chez nous c'est un événement. est-ce qu'on ne connaît pas les difficultés liées à la pénurie d'eau, est-ce qu'on doit faire comme s'il n'y a rien eu? Non, monsieur Aïssi, c'est un événement important. Je ne sais pas s'il a célébré, mais c'est un événement important. Depuis hier, je pense tristement à la période où je faisais mes classes de 6e, 5e, 4e au lycée de Bankim, dans la Damawa. Ben, nous étudions avec des lampes tempêtes parce qu'il n'y avait pas de la lumière dans la ville. Alors qu'on avait le barrage de la Mapi qui était à zéro pas. Donc la population ne comprenait pas comment on a un barrage. Soit dit même de retenue d'eau qui est censé approvisionner, rajouter de l'eau à celui de à son loulou. Mais comment que de l'eau quand même au pied du barrage? Donc après, il y a eu des groupes électrogènes qui ont été installés généreusement, bon, en fait, pour le bien des populations. Et on a commencé à avoir de la lumière. Donc c'est le même effet de joie. Waouh! Donc nous qui étudions on n'avait pas encore des branchements, nous allions sur les lampadaires. Au niveau des rues. Oui, des rues. À 23h, vous grillotez au froid, mais il fallait profiter de cette lumière. Mais malheureusement, la population a très rapidement déchanté parce que après, c'était des délestages, soit il n'y avait pas de carburant, et puis on restait un mois encore sans lumière ou quelque chose comme ça. Donc, du coup, je veux pas me comporter comme un oiseau de mauvaise augure. Un rabat-joie. Comme un rabat-joie. Donc, je pense que la population de Yaoundé doit savoir cet instant. Et ça me rappelle encore qu'à Douala, il y a à peu près 5 ans, on a eu le même phénomène lorsqu'on a inauguré la centrale sur le Mungo, voilà, qui a amélioré les capacités de disponibilité de l'eau potable dans la ville de Douala. Le même effet de joie. Mais je vous assure très rapidement, ça n'a même pas pris 3 mois, on a commencé à déchanter. Aujourd'hui, les populations de Ouas savent très bien ce qu'elles vivent. Moi, dans mon quartier, à PK12, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas une goutte qui coule. Malgré que tout le monde a pris, on s'est précipité quand on a pris la bonne nouvelle à faire des branchements, les compteurs étaient posés, quelques gouttes ont coulé même pas un mois. Et puis, chez moi, depuis 12 ans que j'y habite, peut-être 14 ans bientôt, j'ai toujours fonctionné avec du forage. Pas parce que je veux absolument, mais parce qu'on n'a pas, le choix. Et autour de moi, il y a une vingtaine de maisons qu'on est obligé de brancher pour aider les voisins, si ça est là. Donc, j'apprécie ce qui est fait. 40 ans après, quand même, je dis, ouf, enfin, parce que j'avais bien peur que notre patriarche, le président Paul Biya, qui laisse Yaoundé dans cet état de décrépitude, mais mieux vaut tard que jamais. Mais maintenant, mon rêve, c'est de voir quand même l'audace du miné qui est un peu plus sur le terrain, là, mais qui rende la potabilisation de l'eau disponible, ou alors l'eau disponible, comme nous on l'a connu étant petit, il y avait des bonnes fontaines qui, voilà, où tout le monde, on faisait cette la queue, mais on était sûr d'avoir de l'eau. Voilà. Donc, dans nos quartiers, moi, je serais heureux de venir ici un autre jour et d'entendre les mêmes populations, non seulement qui célèbrent d'avoir quelques gouttes qui coulent à la maison, mais surtout que la grande masse qui n'a pas de possibilité d'aller payer un abonnement, aujourd'hui même qui est déjà conditionné, il faut encore déjà même faire les déclarations fiscales et tout, et non seulement qui n'ont même pas d'argent, mais qui ont une bonne fontaine dans le quartier pour les populations démunies, parce que nous, on a un combat social. On a un combat social qu'on aimerait voir un Cameroun meilleur que ce que nous vivons aujourd'hui, qui nous rappelle, voilà,
la belle période de l'intense. Merci encore, et Bobby C. Donc, oui, Emile, mais s'il veut préciser une ou deux choses, autres choses, allons-y. C'est-à-dire que, comme mon confrère, mon compatriote disait tout à l'heure, je crois que l'inquiétude doit être dissipée. Parce que lorsqu'on parle de 300 000 mètres cubes d'eau par jour venant de la Sanaga, je crois que c'est rassurant. C'est d'autant plus rassurant que nous avons à la tête de la structure qui doit distribuer l'eau un monsieur, j'ai nommé le directeur général Blaise Moussa, qui a pris des engagements de, bien évidemment, l'État a appuyé la Camote à hauteur de 10 milliards de francs pour une acquisition de compteurs pour des ménages. C'est-à-dire que le directeur général a rassuré que ce taux, en termes de qualité, sera de très bonne qualité. Il a d'ailleurs dit que lui-même consommait ce taux-là et qu'il n'y a aucune inquiétude. Donc, bien évidemment, le chantier va continuer. Nous a dit, on doit croire. C'est un engagement ferme. J'avais votre, c'est-à-dire, lorsqu'on vous confie... J'ai vu votre collègue boire de l'eau en plein journal hier, quand même. Tout à fait, ça rassure. Ça rassure, dans le sens que depuis un temps, même beaucoup de gens ne faisaient plus confiance en ce taux. Vous avez parlé tout à l'heure de la crise de confiance. Il y avait une crise de confiance avec l'eau du robinet. Moi, je crois que le ministre a fait beaucoup. Maintenant, attendons la part de Blaise Moussa. Écoutez, attendons la part. Je parle maintenant du gouvernement. Oui. Il faut que la distribution, voilà, ça regarde qu'à moi. Efficiente. C'est ça que je parle aujourd'hui. Mm-hmm. Parce qu'il a posé un problème, bien évidemment, sérieux. C'est-à-dire que, est-ce que ça va se limiter au niveau de Yaoundé et ses environs? Donc, c'est un engagement pour que tout le pays, dans le cadre même de la décentralisation, la coopération décentralisée, qui fera en sorte qu'aujourd'hui, les points d'eau, partout il y a un potentiel de faire un point d'eau aujourd'hui, que cela soit mis en œuvre. Donc le problème ne va pas s'arrêter à Yaoundé ou ses environs. Le DG, le top manager de la Camote, a dit qu'il va étendre ce projet jusqu'à l'arrière-pays pour que les Camerounais, comme on l'a dit ici, se souviennent des pénuries d'eau comme juste un triste souvenir. Donc aujourd'hui, donc, nous avons l'assurance que nous aurons une eau en quantité suffisante et surtout en qualité. Nous avons donc l'assurance que nous aurons donc une eau en quantité suffisante et surtout en qualité. Pénurie d'eau potable donc à Yaoundé et les environs. C'est donc une fin de calvaire. On dira bravo à ceux qui ont piloté ce projet PAEPIS. Hein, bravo au ministre de l'eau et de l'énergie, le ministre Gaston et Lundu Esomba. Et pourquoi ne pas dire bravo au président de la République, son Excellence Paul Biya. Nous y reviendrons certainement dans d'autres émissions plus spécialisées pour commenter et analyser cette actualité. A tout de suite pour la suite. Si vous êtes victime d'abus, il faut dénoncer. Voilà pourquoi je repasse la parole à Pierre Blériot pour la dénonciation de ce matin. Oui, parfait. Ici, la dénonciation de ce matin est un abus ubuesque. Ah bon? Oui, je vous ai souvent dit que je n'aime pas le français compliqué, mais bon. l'histoire, elle est totalement effarante parce que ce n'est pas les concernés qui sont venus me voir, mais des apparentés qui sont venus me voir. C'est l'histoire d'un jeune homme qui s'est marié il y a deux week-ends de cela. Mais la vérité, c'est que son géniteur et papa, qui est tout un pasteur, entretient des relations sexuelles avec l'épouse de son fils. Ce n'est pas de simples relations sexuelles. Il a fait un enfant avec sa belle-fille. Seigneur Jesus. Le fils n'a pas de moyens. Et
c'est le papa qui a organisé également tout le mariage. Avec son fils. Qui a organisé matériellement le mariage entre la fille et son fils. Et son fils. Et en journée, c'était la mairie. Et dans l'après-midi, c'était à l'église et c'est le papa qui célébrait en tant que pasteur ce mariage. Pasteur Bléreau, tu es sérieux? Je il s'agit de quoi là? Alors, mais c'est pas là que l'histoire s'est gâtée. Ah, donc là, c'est encore. Non, là, c'est même encore très beau. C'est qu'à la soirée, le papa faisait un dirigisme insupportable. C'est lui qui faisait asseoir les gens, c'est lui qui disait qui devait prendre quoi, faire quoi. Il devait passer à table. Le fils en a eu marre. Ce d'autant plus qu'entre les deux événements, c'est ce même jour que le fils est au courant que son premier enfant est en fait des œuvres de son papa. Oh là là. Le jour du mariage. Il a donc gardé cette colère et à un moment donné, il en a eu marre. Il a explosé. Il a explosé en pleine salle et il a renversé tout le repas. Oh là là. Des bouteilles se cassaient et autres. Il a pris d'autres bouteilles. Il est allé vers le véhicule de son père qui était à l'extérieur. Il a cassé ce véhicule. Oh là là. Son père a fait venir les forces de l'ordre qui ont arrêté le fils et sa bru qui ont passé une nuit de cellule. Le lendemain, ont été libérés. Donc, c'est un proche parent qui est venu nous voir pour nous poser ce problème qui, de toute évidence, nous fait perdre même nos moyens. Nous l'avons écouté avec beaucoup de désolation et nous vous l'avons porté ici. Ah, tiens, les dénonciations d'espace miné. J'avoue vraiment que vous pouvez d'abord perdre votre latin. Hein. Vous dites que le monsieur qui a célébré le mariage, il est pasteur. Il est pasteur et c'est le père du mari. Oui, tout à fait. Et c'est ce père-là qui va également avec sa belle-fille. Oui. Ils ont même fait un enfant. Un enfant. Et il se vante d'en avoir les moyens. Et comme son fils ne fait pas grand-chose, je crois qu'il, lui, il a une deuxième épouse cachée en sa belle-fille. Je ne pose aucune question à Émile Messi, juste à voir ta réaction. Oh, parfois, ici, ce qui est gênant personnellement dans cette affaire, c'est le statut de pasteur de ce monsieur. C'est ça qui vient de comprendre. S'il avait été militaire, ça aurait été bien. S'il aurait été un homme, j'aurais facilement pensé que l'auteur reviendrait peut-être au garçon. Parce qu'on a souvent vu des situations où on voit un beau-père. Il connaît les limites, parfois, de son fils. Et il prend des engagements qui peuvent aller très loin. Il y a souvent des engagements qui peuvent aller très loin. C'est-à-dire que il veut bien que son fils ait une femme. Ouais. Mais conscient peut-être de ses limites, de ses failles. Limites, quel genre de limites? Sur le plan financier. Limites d'un homme qui devrait avoir une femme. Nous parlons d'un homme. Soyez un peu plus clair. Femme. Vous êtes dans les devinettes là. Limite, c'est quoi? On peut être limité sur le plan financier. On peut être limité sur le plan physique. On peut être limité sur le plan psychologique. On peut être ainsi de suite, ainsi de suite. C'est d'abord une relation entre un homme et une femme. C'est sûr. Ça qu'il s'agit. C'est pas une relation entre un homme et un animal. Bien évidemment. Donc, il n'y a pas matériellement l'argent qui est posé. L'argent peut aider à faire le mariage. Eh bien, mais c'est gagnant en temps. Mais vous nous parlez de quelle limite? L'homme peut être limité vis-à-vis de la femme, vis-à-vis de sa condition d'homme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il est homme et qu'il a des limites en tant qu'homme. Il n'a pas l'argent. Ce n'est pas l'argent qui vous constitue comme homme. Vous voyez, dis ce que tu veux dire. Je suis en train de dire. Je ne comprends rien. Je dis ceci. Vous, c'est-à-dire que c'est le fils à... Oui. Vous êtes polygame. Oui. Vous avez deux, trois femmes, par exemple. Parfois, ici, à une femme. Quelqu'un d'autre peut ne même pas avoir la possibilité d'en avoir une. Pas parce qu'il ne veut pas,
mais parce qu'il est limité sous la condition d'homme. En termes... La condition d'homme, c'est qu'il ne met pas le pantalon. Tu veux dire que l'instrumentum laboris. Ça peut mettre des habitudes. L'instrumentum laboris, c'est quoi? Ça peut mettre des instruments de travail. C'est-à-dire que... Vous n'avez pas... Laboris. Vous n'avez pas un comportement... Je viens de nous faire penser. D'ailleurs, en tant que... Vous voulez dire quoi? Il a parlé, par exemple, de l'instrumentum laboris. L'instrument de travail. Mm-hmm. En français facile. Mm-hmm. L'instrument de travail peut être défaillant. Et là, ton père t'aide. Bien évidemment. Est-ce que c'est du sort de papa? Non, vous encouragez cela. Je n'encourage pas. C'est-à-dire que si l'instrument laboris de son fils est malade, le papa peut aider. Non, on n'est pas là pour juger. Non, je suis dans l'approche compréhensive. Mm-hmm. Il faut comprendre. Mm-hmm. Telle cause, tel effet. Qu'est-ce qui a provoqué ceci? Qu'est-ce qui a facilité cela? Mm-hmm. C'est ça dans l'approche compréhensive. Mm-hmm. Bon, maintenant, j'ai vu des cas comme ça, où le père, pour ne pas perdre sa belle-fille, sa brute, rassure et essaie de combler les manquements de son fils. Émile, mais c'est dans cette famille-là. Il n'y a pas de cousins. Il y a les frères, il n'y a pas les jeunes frères, même. Il n'y a que le papa lui-même qui doit venir combler le vide. C'est pour cela donc que je vous dis qu'il va falloir, parce que ce jeune homme, donc, parce que l'enfant est né, oui. C'est une longue histoire. Mm. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé en un jour. Mm. Et je suis sûr que le garçon est au courant de cette affaire. Jusqu'au moment où il s'est senti ridicule et il a explosé. C'est une vieille histoire. Il est parfaitement au courant. S'il est sincère, il va vous dire que cette affaire-ci date depuis. Et si vous interrogez sa femme, elle pourra encore vous dire beaucoup de choses. Et peut-être que c'est cette père-là qui a fait que cette femme reste jusque-là. Donc, nous ne sommes pas là pour juger. Moi, je ne juge pas. Mais c'est pour ça que je vous ai dit donc que quand vous refusez de juger, c'est pour ça que je suis là pour comprendre. Parce que pour un pasteur, pour un homme de Dieu, pour un homme qui doit prôner les valeurs, qu'il se retrouve imbibé dans... Donc, s'il n'était pas pasteur, il ne devait pas avoir un problème. On aurait dit tout simplement que c'est le côté animal, c'est-à-dire le corps a eu le dessus sur l'esprit. C'est-à-dire que l'émotion, la sensualité, vous la philosophie a une raison sur la raison. Vous voyez, c'est le corps. C'est-à-dire, lorsque cet homme a eu des idées, c'était dans quelles conditions? Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi la dame a accepté jusqu'à faire un enfant? Est-ce que ce monsieur même, sexuellement actif, est-ce qu'il est, comment dire, est-ce qu'il procrée? Toutes ces questions-là méritent d'être bien prises en compte avant de condamner systématiquement ce qui s'est passé. D'accord. Je crois que le garçon en question mérite d'avoir une bonne autopsie. Merci. Et Émile Messier qui semble défendre ce beau-père. Je ne défends pas, je veux juste comprendre. D'accord. Encore, et Bobby C, je ne vais pas vous dire que si cela vous arrivait, ce n'est pas bien que ce genre de choses arrive à un être humain normal. Alors, quelle est la réaction que vous avez quand même d'un papa qui décide même déjà d'aller avec la femme de son enfant, de son fils? Vraiment, que Dieu nous en préserve, parce qu'il y a des drames familiaux qui ne sont souhaitables à personne. Et je crois que ce cas aussi flagrant nous interpelle et nous choque. Donc, malheureusement, je ne sais pas si nous sommes bien placés pour juger de la qualité, mais on voit quand même qu'il y a un excès d'amour, un zèle d'amour, si je peux le dire ainsi, parce que le père, je crois qu'il a essayé de faire, si, du peu que je comprends, je constate qu'il a fait du mieux possible pour donner un environnement familial. Ou alors mais si vous prenez le mot protégé, et que vous avez esquivé. C'est dommage vraiment que dans certaines familles, on soit obligé d'en arriver là.
Mais pour en avoir entendu pire que ça, souvent, je dis... Alors, il y a pire que ça. Oui, on a souvent entendu des histoires vraiment terribles dans les familles. Le toit cache tellement de choses que si nous était donné l'opportunité de pouvoir enlever le toit, de voir comment les gens vivent... Surtout dans la nuit. On perdrait parfois le sommeil. Ce n'est ce cas à personne et je plains surtout ce jeune qui désormais, je ne sais pas comment est-ce qu'il va vivre avec la femme, avec les enfants. Et les enfants, sachant que c'est ses grands-pères qui est en fait notre papa, ce sont des drames familiaux, mais qu'il faut vivre et avec respect. Et je pense que nul n'est vraiment trop à l'abri. C'est pour ça que nous continuons à penser, nous autres qui sommes chrétiens, nous pensons qu'il faut trouver dans certaines situations la force dans la prière pour rester à l'abri de telle perversion. Ce n'est vraiment pas souhaitable. Alors, je passe la parole à Pierre Blériot, Niemek. Pierre Blériot, hier, hein, si mes souvenirs sont exacts, ou avant-hier, vous faisiez comprendre que lorsque vous êtes en position de faiblesse, il faut faire des compromis. Et je pense que pour le cas d'espèce, vous nous l'avez dit, le garçon n'a pas de moyens. Émile Messidi parle de limites au niveau de la condition d'homme, les défaillances, il les soupçonne. Alors, qu'il doit faire le garçon, il doit aussi accepter faire, c'est ça? Non, mais parfait, dans ma langue, ben, je vais d'abord parler dans une autre langue. La belle fille, c'est votre fille. Les Anglais disent « daughter in law », c'est-à-dire votre fille par la loi. Donc, c'est votre enfant. La femme de votre fils est votre enfant aussi. Votre enfant par amour. Par la loi, in law. Love, c'est l'amour. Ce n'est pas love. C'est in law. C'est in law. L-A-W. Love. Non. Love. L-A-W. Moi, j'ai enseigné l'anglais. Daughter in law. Alors, c'est votre enfant par la loi. Vos beaux-fils sont vos enfants aussi, que vous intégrez. C'est-à-dire, les maris, les époux de vos filles sont vos enfants. Donc, ce n'est pas à cette personne-là, au papa, de résoudre ce problème. Et le nom qui indique beau-père, chez nous, montre quelqu'un qui ne peut pas avoir de l'érection devant cette femme-là. Vous voyez? Comment ça? Oui. C'est bon de l'érection devant la maman. Non, mais c'est la sorcellerie. Effectivement, si un enfant a de l'érection devant sa maman, c'est la sorcellerie. Sorcellerie comment? Bien sûr. Donc, ce papa a très mal agi. Si son fils a ce genre de déficience, il devrait faire combler ça par quelqu'un d'autre. Ce d'autant plus que son fils a des frères, il a des cousins. Et là, on dit que si. Oui, si c'est le cas. Mais ça, ce n'est même pas la base. C'est juste un père qui a une gourmandise sexuelle. Il se sert de ses moyens pour faire de tout ce qui est autour de lui ses proies. C'est un mauvais père. Ce n'est pas un homme de Dieu, c'est bien un homme odieux. C'est ça. Il faut le condamner fermement, ce genre de choses. Et quelqu'un parlait des drames. Ça peut se terminer par une tragédie. Hein? Je vous ai dit que le fils... On appelle les télévisions en film. Voilà, le fils a cassé la voiture et autres. Il a même eu encore le courage de les faire mettre en cellule pour une nuit. Bon, peut-être pour calmer les ardeurs, mais c'est une très mauvaise situation. Je crois que la famille doit s'asseoir, puisque c'est déjà à découvert. Et faire le nécessaire pour ramener l'honneur dans cette famille. Pour laver l'opprobre. Ce papa est un papa indigne. Qui a versé le propre sur sa propre famille. Merci, hein. Merci Pierre Blériot. Allons du côté de la messagerie pour lire les interventions de nos nombreux téléspectateurs. Hein. Bonjour le panel, bonjour aux médaillés d'or de la modération. Il faudrait souligner que Kamwater est à capitaux publics. C'est le contribuable camerounais et la population camerounaise est essentiellement rurale. Qu'en est-il de l'arrière-pays? Le Cameroun se résume-t-il à Yaoundé et Douala? Vivement que la décentralisation soit effective pour faire disparaître ce Kamwater qui ne sert à rien à la majorité des Camerounais. C'est Ngambarga Roger Parfait depuis Ngolmokwan qui envoie donc ce message. Bonjour Parfait Aïssi, je viens de la part de mon père, l'officier de police qui souhaiterait avoir le contact de M. Ankar et Bobissé.
Appelez-moi après l'émission, hein, on verra. Autre message ce jour, nous prenons ce message. Alors, bonjour parfait ici. Bon, on a lu ce message. Hein. Il va avoir des informations sur le projet de construction à crédit. D'accord, appelez après l'émission. Bonjour à vous et très bon panel. Je suis victime. Oh là là. Je comprends pas. Je suis victime d'un abus, mais je ne sais comment faire parvenir ma dénonciation. S'il vous plaît, et si vous pouvez, faites parvenir mes messages à M. Pierre Blériou-Niemec. D'accord. Bon, vous avez même donné votre dénonciation. Hein. Vous dites qu'il s'agit d'un projet de voyage que mon mari et moi avons initié depuis le mois de janvier 2023. D'accord. Je vais envoyer cela à Pierre Blériou. Autre message ce jour, s'il vous plaît, je voudrais le numéro de téléphone de monsieur qui construit les maisons à crédit. J'ai vraiment besoin de son service. Je pense que l'association de tous les misérables va se réunir pour avoir des maisons. Vous serez saturé. C'est pour ça que nous sommes là. Nous faisons du mieux que nous pouvons. D'accord. Bonjour, parfait. Et à tes invités, on parle même de quel haut Baoba Simbok, ainsi, bon, Darius, c'est Darius qui envoie le message. Hein. Darius essaie de voir. Parce que nous avons des messages de Simbok où les gens sont en train de festoyer. Bon, maintenant, vous êtes donc de quel côté de Simbok? Est-ce que votre maison est hantée? Il faut également le savoir. Alors, un autre message. Bonjour, espace miné. L'eau coule. Nous attendons notre tour aussi à Douala. S'il vous plaît, besoin du contact de monsieur Nko et Bobissé, un de vos panélistes de l'émission de ce jour. Je suis monsieur Chinda Yefou Eric depuis Douala. Merci, hein. En fait, monsieur Parfait, c'est le contact par rapport au projet de construction dont il a fait part sur votre plateau à l'émission de ce jour. Essayez de m'appeler après l'émission et on verra. Très heureux pour la nouvelle. Félicitations à tous les acteurs de ce projet Pipis. Mais à combien le Cameroun sera sanctionné à rembourser quand on sait que la Chine a financé à plus de 310 milliards de francs sur les 415 milliards qu'a coûté le projet? C'est comme Chou Andri en Bankoumou. Comme Chou, si moi j'étais comme toi, hein, je me contente d'avoir de l'eau que moi j'ai à chez moi. Parce qu'avant même, je n'avais pas l'eau. Vraiment. Maintenant, on va faire comment pour rembourser l'argent de la Chine et tout. Ouais, je peux me laver. Je peux boire mon eau. C'est tout ça. Et en plus, est-ce que vous avez vu là, on a mis un pays en prison. Vous avez vu, on en a mis un pays en prison. Pour non-remboursement. Pour non. Mais c'est ça. Que la Chine nous donne l'argent. Et tout ça. On ne va jamais mettre le Cameroun en prison. Autre message ce jour, bonjour parfait, très beau panel, s'il te plaît parfait, mon idole Blériou a été très vrai, il faut que le monsieur de PK12 soit sérieux, il y a de l'eau à Douala, mais la demande est supérieure à l'offre, moi je suis à Douala PK12 et génie militaire. Voilà ce que je vous ai dit tout à l'heure, bon, je dis la même chose pour le monsieur de Simbok, voilà donc quelqu'un de PK12. Est-ce qu'il y a donc 8 PK12 à Douala? Non, je répète encore que derrière le lycée, dans ma zone, il n'y a pas de l'eau et je le dis et je m'assume. Et moi seul, j'alimente une vingtaine de maisons tout autour de moi qui sont dans le même problème d'eau. Bonjour, monsieur Parfait, à ici. Vivement que Camwater se penche dans d'autres villes. Plus de 55 millions pour un film à l'ouest, alors que la population meurt de soif. En forage coûte environ 1 500 000 francs CFA. Vous voulez parler de quel film? Le Paul Biya, l'homme d'État. Quoi. Le film a commencé à Douala. C'est à peu près le même budget dans les 10 régions. Hein. Donc, ça fera, attendez bien, plus de 550 millions pour les 10 régions. Merci. Hein. Prenons d'autres messages très rapidement. Bonjour, le sac de modérateurs. Mes salutations particulières
pardon, à M. Niemek, je pense que M. Émile Messi n'est pas différent de ce papa-là. Il devrait avoir honte de ses propos. C'est Simao depuis Ebola qui envoie le message. Non, on fait des analyses, on n'est pas là pour juger. Il faut comprendre, je suis dans la poche compréhensive. Nous allons prendre d'autres messages ce matin. Bonjour Perfecto, ainsi qu'à ton précieux panel. Waouh, Blériot a débloqué le niveau aujourd'hui avec la dénonciation du jour. J'ai ri jusqu'à... ça ne finit pas. Ce pasteur, au lieu d'utiliser la Bible comme instrument de travail, c'est plutôt l'autre petite Bible d'en bas qui est très efficace chez lui. Ce pasteur doit être délivré par un révérend pasteur. C'est prof Ebenezer, donc on le met tête et qui envoie le message. Autre préoccupation ce jour. Alors, prenons celle-ci. Bonjour, espace miné. Si M. Émile Messi cherche une expression simple pour définir la condition d'homme comme l'instrumentum laboris de M. Blériot, il peut aussi utiliser l'expression le gourdin de les bambas. Ça peut t'aider, Émile Messi. Ça, c'est pour lui, ben. C'est sa contribution à lui. C'est pas moi. À chacun son langage. À chacun son langage. Ça, c'est sa propre contribution. La dénonciation des jours, c'est de la pure sorcellerie, les choses de Satan en personne. Ouais. C'est Papou depuis Dragage à Yaoundé et qui envoie cette préoccupation. Nous avons le oh là là, je voulais prendre le message de l'ami du 213, hein, mais nos amis du 213. Je dois récupérer ce message du 213. Coûte que coûte. Alors, je l'ai. Bonjour Perfecto. Bonjour Perfecto, le double coûta de modérateur. Franchement, depuis que l'émission Espace Miné existe, Blériot Niemek n'a jamais donné un mauvais conseil comme celui d'hier. À cause de ce conseil, il y a déjà certaines femmes ici à côté de moi qui veulent oser. Blériot Niemek sache qu'un homme doit toujours garder son honneur et sa dignité, même si son Dagobert ne fonctionne pas bien. Ce conseil est le pire conseil que je n'ai jamais entendu dans ma vie, que l'homme est en situation de faiblesse. Qu'entends-tu par situation de faiblesse, monsieur Blériot Niemek? Bon, vraiment, vous n'allez pas refaire la dénonciation d'hier, hein? Ou bien tu vas appeler Niemek en off. Autre message, bonjour à vous, sœur Aïssi. Le fils là a accepté de se marier. Comment? Il accepte de se marier et pas faire le scandale à la soirée. Il est simple, c'est lors de cette célébration ou à la mairie qu'il aurait dû fracasser la gueule de son père. Il est marié à elle, malheureusement. Je pleure les invités de la soirée. Parce que la nourriture est... au sol, c'est un bal de sorcier. Là, quand mon fils a dérangé, hein. Parce que ici, chez nous, en Afrique, hein, nous aimons manger. Hein. On ne garde pas la nourriture. On ne garde pas la nourriture comme ça devant les gens. Il faut que le fils fasse attention. Bonjour, monsieur Parfait, ici. S'il vous plaît, j'ai besoin du numéro du monsieur qui était dans votre émission hier pour l'entrepreneuriat. S'il vous plaît, monsieur, essayez de m'appeler après l'émission, hein. On verra. Bonjour le sac de modérateur et à tout ton panel. Concernant la dénonciation du jour, c'est le fils qui est paresseux. Pourquoi faire le scandale? Dégage de là et va faire ta vie loin de ce sorcier. Amadou Ayatou depuis Menganga. Allons au plus 33, c'est la France. Que dit le téléspectateur de la France? Bonjour à vous, les gorgores du micro. Vraiment, ce papa jouisseur a fait de ses petits-fils les frères de son fils. Et, pauvre fils, c'est ça la République de la jouissance. C'est Keliane Tanchou, alias Émile Dubango. Waouh. Comment vous pouvez dire que nous sommes une République de la jouissance? Faut être sérieux, hein? Bonjour, Parfait ici. Et là, nous sommes 222. Mauritanie. C'est la Mauritanie. Bonjour, Parfait ici à tout ton panel. Concernant la dénonciation, je pense que le fameux pasteur est peut-être le grand frère de Bobda. Parfait ici, tu es même de quel côté? Moi, je suis églisien. Et pas Niemek, et Ibou. Toi, tu es de quel côté? Alors, bonne émission. Je suis églibou.
Alors, un dernier message. Hein. Bonjour, l'eau minérale de la modération. Mmh. Oh là là. Le projet Pipis de la modération. L'eau de Bachanga. Et au meilleur consultant d'Afrique subsaharienne, Pierre Blériot, sage et fils de Boumniebel, descendant de Omniobé. Perfecto, ce pseudo-pasteur est en réalité un prédateur sexuel, parce que la femme de ton fils est ta fille. Moi, j'ai seulement peur pour le garçon qui a pour père un prédateur sexuel et pour femme une rombière, parce que cette fille devait refuser cette saleté. Le garçon doit être fort et vigilant parce qu'il est mal accompagné. C'est Frédéric depuis Ngousso. Un verre d'eau s'impose. Voici donc venues les journées de l'excellence en Sénégal-Maritime. Du 20 au 24 août 2024 à EDEA. Faites corps avec l'excellence dans tous ses formats. L'excellence scolaire et universitaire, l'excellence sociale et sanitaire, l'excellence agricole et l'excellence sportive. Des lauriers, des trophées, des gratifications et des dons pour accompagner les efforts exceptionnels de cette jeunesse qui ose. Les Journées de l'excellence en Sénégal-Maritime, une initiative de la Fondation La Main Tendue du ministre des Transports, Monsieur Jean-Ernest Masséna Ngalébibéé. Du 20 au 24 août 2024 à EDEA, l'excellence prend de l'envol. Le canton Yenvam Yassaman en fête. Sous le parrainage du deuxième adjoint au maire de la commune de Meyoum-Sala, le docteur Doko et Diane Mathieu Alain, vivez des vacances utiles avec UIAFE 3e édition Ngosse 2024. Sous le thème « Jeunesse éthique et patriotique », UIAFE, c'est la promotion des talents locaux avec au programme championnat de football féminin et masculin, campagne de dépistage de santé, prime de l'excellence scolaire et universitaire, foire gastronomique, élection Miss UIAFE 2024. Du 14 au 24 août 2024 en Ngosse, vivez des vacances utiles autour du sport, la santé, l'éducation et la culture. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Épouse Numbisi, j'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui ont... Il y avait des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST? La médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Médecine bio qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque, qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative parce qu'elle agit directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose aujourd'hui. Je me sens vraiment à l'aise. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai trouvé un bon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en Volier derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité. Bon.
Bon retour sur ce plateau d'espace miné, tout en félicitant donc ses partenaires, hein, DIFPI SUP. Vous avez vu la publicité tout à l'heure. Je martèle tout de même que pour cette rentrée scolaire 2024-2025, le promoteur de cet institut supérieur aux professions immobilières, parce que là-bas, ils sont spécialisés pour des professions immobilières, a décidé d'accompagner les jeunes Camerounais à hauteur de 80 bourses d'études d'une valeur de 150 000 francs CFA à tous les bacheliers dans les filières BTS. Donc 80 bourses pour les nouveaux bacheliers à hauteur de 150 000 francs dans son institut universitaire. Vous avez donc des professions immobilières pour 15 bourses, le droit foncier et domanial, pour 10 bourses, le droit des affaires et de l'entreprise, 10 bourses, vous avez géomètre topographe, 15 bourses, gestion et management hôtelier, 10 bourses, décoration intérieure, 10 bourses, assistant judiciaire, 10 bourses. Il faudra vous rapprocher de l'institut, hein, qui est situé en Vormby, derrière la chapelle Nouvelle Route et Tambafia. Et vous avez également les contacts, le 657-654-31-3900, sans oublier le 691-21-22, alors disons le 691-212-277 et 2 à la fin, d'accord. De toutes les façons, ce sont des partenaires. Vous aurez des informations sur l'IFPI SUP au quotidien dans le cadre justement de votre programme et maintenant pour des tranches réservées à la publicité. Nous vous le disions en ouverture de ce programme. Ce matin, nous parlerons encore de politique, mais avec un volet, un pan bien précis. Nous nous interrogeons sur le crédit que nous devons accorder à nos hommes politiques en Afrique et plus particulièrement aux hommes politiques du Cameroun. Avez-vous l'impression que les hommes politiques du Cameroun méritent encore du crédit? Je passe donc d'abord la parole à l'un des hommes politiques sur ce plateau, jeune homme politique, hein, qui est justement le président national de l'Alliance pour le développement et la paix. À votre avis, un homme politique mérite-t-il d'avoir du crédit? Oui, pour répondre très clairement à la question, nous devons avoir confiance aux hommes politiques. Même s'il est vrai que le contexte camerounais que nous vivons depuis 4 décennies bientôt pourrait amener les gens à se poser réellement la question. Parce que nous sommes dans un environnement de parti unique, il faut le dire très clairement. C'est-à-dire qu'un environnement avec une dominance à outrance du parti au pouvoir. Et il y a quelques individualités au niveau des partis dits d'opposition qui sont également des hommes politiques majeurs qui interpellent quotidiennement ce parti unique pour essayer de les ramener ou alors les interpeller sur des questions essentielles nécessaires à la bonne gouvernance et à tout ce qui va avec. Malgré les limites dans les astuces ou alors les stratégies de la conquête du pouvoir. Mais répondre à la question très clairement, est-ce qu'on peut faire confiance aux hommes politiques aujourd'hui? Je pense que c'est trivial. Il nous faut des hommes politiques. Il faut des hommes politiques intègres pour ramener de façon continuelle, recentrer le débat pour amener le parti qui est dominant, qui est au pouvoir, pour qu'ils ne s'endorment pas sur la laurier et qu'ils comprennent que, eh ben voilà, qu'en face, il y a du challenge. Non seulement qu'il y a du challenge, mais surtout qu'il y a des, comment dire, pas forcément des censeurs, mais des personnes qui sont capables de diagnostiquer ou alors de passer au scanner leur action par rapport aux promesses sur lesquelles ils ont été élus. La difficulté, une des difficultés que nous avons au Cameroun, c'est que malheureusement, les personnes que nous élisons à tous les niveaux, du sommet de l'État jusqu'à la commune, conseils municipaux, conseillers régionaux et tout le reste, nous les élisons le plus souvent sur la base d'un programme politique. La grande déception vient du fait que, une fois au pouvoir, ou alors une fois à la manette, une fois qu'ils sont élus, ils se cachent derrière
non plus d'assumer la capacité d'assumer les programmes politiques sur lesquels ils ont été élus, mais ils se cachent sur des excuses comme les disciplines du parti. Et donc, du coup, toute notre déception. Bon, voilà. Donc, étant donné que tant qu'ils sont... tant que l'environnement donne donc ce volet refuge à travers lequel on n'est plus capable de les sanctionner une fois qu'ils ont été élus, mais ils se comportent comme des petits roitelets, chacun dans son petit environnement, attendant tranquillement la prochaine élection et en priant surtout qu'elle soit prorogée pour une ou deux années de plus. Mais à côté de ça, heureusement, nous avons encore la crème de la crème. Nous avons quelques cas. On peut citer en dehors des partis comme les nôtres qui naissent, parce que la bonne question, aujourd'hui, on continue à se poser la question, mais environ 380 partis qui existent, pourquoi est-ce qu'il faudrait encore qu'on en rajoute? Mais je voudrais juste te rappeler que sur les 380 partis qui existent officiellement, il y a plus de la moitié qui ne sont pas fonctionnels. Moi, je connais des aînés qui ont créé des partis dans les années 90-95 et qu'aujourd'hui, on se souvient juste qu'ils ont eu des partis. Voilà. Donc, non seulement ça, ceux qui sont même en activité, nous posons la ligne politique, le programme politique. Nous, on ne se retrouve pas dans leur programme politique. Donc, nous, aujourd'hui, par exemple, à l'ADP, nous sommes en train de prôner des valeurs, allez, permettez-moi l'expression chrétienne, des valeurs qui nous permettent de réinterroger la spiritualité même de la nation, la raison d'être de notre pays. Ce qui fait donc que nous voulons mettre des valeurs sociales. Sans toutefois vous interrompre, j'ai toujours un souci. Lorsque nous parlons de politique dure, hein, et que l'on parle, quand y mettent des valeurs chrétiennes, les valeurs de foi, les valeurs d'amour, je me pose bien la question si la chose politique s'accoutume très bien avec la foi chrétienne. Ce n'est pas une innovation camerounaise. Dans le monde entier, il y a de nombreux partis chrétiens, démocrates chrétiens qui existent. Angela Merkel a été maintenue au pouvoir pendant 16 ans environ par la CDU, le Parti démocrate chrétien, en Allemagne, en Italie, en Espagne. Il y a des cas, peut-être pas dans notre environnement africain, qui sont légion, mais il est fort possible. On peut faire la politique avec la Bible. Mais nous devons comprendre que les gens, malheureusement, moi j'ai appris trois choses, monsieur Aïssi, depuis que je fais la politique. Oui. Je me suis rendu compte, la première, c'est que tout le monde aspire au changement. Tout le monde. Que ce soit dans le système, dans le régime, les gens souhaitent que les choses se passent. Même dans le régime? Même dans le régime. Tous les régimes? Non, je dis encore, je reviens au débat. Tous les régimes aspirent au changement? Je reviens au débat camerounais pour dire que tous les Camerounais aspirent au changement. Même ceux du régime? Ceux du régime, oui. Ah bon? Et ils nous l'ont dit souvent très clairement. Est-ce que le fait de le dire signifie le faire? Mais je dis donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que personne ne veut faire l'effort de bouger pour... Cela signifie qu'on ne veut pas le changement. Non, justement. C'est-à-dire qu'on veut le changement, mais pas des voies, je voudrais dire, miraculeuses. C'est-à-dire que les gens ont été, compte tenu de cette... Là, ils sont vraiment dans la foi. Mais, non, j'en arrive. La troisième chose, c'est que, et c'est là où ça fait mal, c'est que tout le monde se dit qu'en politique, on vient seulement pour prendre. C'est-à-dire qu'on a été habitué par un régime qui distribue. On ne se pose pas la question de savoir où est-ce que ça vient. On crie simplement qu'après, il y a eu des tournements. Oui, voilà. Donc, les gens sont habitués à ce que quand on veut parler de politique, on vient pour prendre, pour s'enrichir. Alors que nous pensons qu'on vient apporter pour le changement. C'est là la différence. Et donc, du coup, il faut des valeurs chrétiennes. Il faut des valeurs, pas forcément chrétiennes, mais il faut la crainte de Dieu. Moi, je préfère le dire ainsi. Ça dit que nous avons besoin aujourd'hui d'une génération d'hommes politiques qui est capable de mettre l'homme au cœur du développement, qui est capable de mettre l'homme au cœur. C'est-à-dire que lorsqu'on lance un projet comme celui papiste qu'on célébrait tout à l'heure, qu'on le fasse dans la logique de vraiment vouloir donner de l'eau à la population, non pas que ce soit un instrument qu'on utilise pour détourner de façon parallèle des deniers publics ou alors nous laisser avec des factures colossales que les enfants vont payer pendant des générations. Donc nous pensons que oui, aujourd'hui, il nous faut une nouvelle génération d'hommes politiques qui remettent un peu des valeurs humaines. Laissons même des valeurs chrétiennes, mais les aider des valeurs humaines au cœur de leur action. Très bien. Et c'est ce que nous essayons de faire à travers notre parti politique ADP. Merci, hein. Émile Messi, vous qui êtes également un homme politique, quelqu'un m'avait dit depuis plusieurs années que les promesses des hommes politiques n'engagent que ceux qui y croient. Alors, quand quelqu'un te dit qu'il y a une affaire comme celle-là, est-ce que cela signifie qu'on peut encore accorder du crédit
aux hommes politiques? Bien évidemment. Si nous n'accordons pas du crédit aux hommes politiques, à qui allons-nous accorder du crédit? Aux hommes d'église. Puisque eux-mêmes, c'est des acteurs politiques. Les hommes d'église. C'est-à-dire, parfait, ici, lorsque nous parlons politique ici, il faut d'abord voir la politique dans son essence. C'est-à-dire la gestion de la cité. Et la politique est au sommet de tous. C'est la politique qui gouverne des nations. C'est les politiques qui commandent. Le pouvoir est d'abord essentiellement politique. Ça veut donc dire tout simplement que des acteurs politiques portent des projets de société. Ils peuvent donc avoir des positions de pouvoir ou alors des aspirations au pouvoir. Parce que, comme je vous dis, il y a une politique économique. C'est-à-dire que ceux qui ont le pouvoir définissent l'économie. Et dans ce sens, l'économie au service du politique. Il en est de même pour le droit, les lois et tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a une politique économique, une politique éducative, une politique culturelle. Exactement, parce que ceux qui sont donc au pouvoir... Une politique agricole. Tout vient donc se greffer aux politiques. C'est pour ça donc que je vous dis donc maintenant, donc les hommes politiques, ils tenteront de conquérir le pouvoir ou ceux qui ont le pouvoir de le garder. Maintenant, faut-il, pour aller très rapidement, faut-il faire confiance aux hommes politiques? Reviens à répondre à la question si une femme doit aimer un homme. Mais comme c'est compliqué de ce côté-là, je sais que vous n'aimez pas ce genre de choses. Ça je veux tout simplement dire que on doit faire confiance aux hommes politiques en participant tout simplement au processus électoral. Processus électoral. Ça veut dire quoi? Lui, il est président de parti politique. Il a un projet politique, une vision de la société. Pendant les élections, donc, il va présenter son projet. Où les gens vont adhérer ou pas. Maintenant, les citoyens, donc, pour répondre maintenant à votre question, devraient donc choisir ceux qui vont donc diriger leurs affaires. Ceux dont ils pensent que le projet peut être viable. Ceux dont ils pensent que le projet peut répondre aux attentes des populations. Donc, c'est pour cela donc que nous disons, nous devons participer au processus politique, au processus électoral, en s'inscrivant sur les listes électorales, en allant voter les hommes politiques le moment venu, en fonction du projet qu'ils vont nous présenter, pour que ceux qui seront donc choisis par là, reflète donc notre confiance que nous leur avons donnée. Et c'est à ce niveau donc que la problématique de la souveraineté revient au peuple. Parce que si le peuple ne peut plus choisir ses hommes politiques, ou alors ne peut plus lui faire confiance, ça va se passer comment? Ça fera donc que la minorité qui ira aux élections va faire des choix qui vont s'imposer à tout le monde. Et c'est donc là le drame de la politique. C'est-à-dire, lorsque vous refusez de tourner, ou alors de faire la politique, ou de tourner le dos à la politique, elle va vous attraper et rattraper et matraquer. Entre temps, quand même, mille messieurs, nous avons des hommes politiques hein, qui ne brillent que par le mensonge, des promesses fallacieuses, oui. Et j'en oublie certainement. Alors, quel est le regard que nous devons poser sur ces hommes politiques? On doit également leur accorder du crédit. Attendez d'abord, lorsque une élection arrive, ils sont nombreux qui viennent en vote. C'est un exemple. Hein. Oui, oui. Ils vont à Bachenga, c'est aussi un exemple. Et qui vont à Tokombore. Vous avez parfaitement. Voilà. Avec vin rouge, casier de bière. Et qui promettent aux électeurs, aux populations, monts et merveilles. Une fois élus, ils disparaissent. Ils reviennent à l'approche de la prochaine élection présidentielle. Alors, on doit toujours... Bon, pas présidentielle, hein, à l'approche de la prochaine élection. On doit toujours continuer à leur faire confiance. Je crois que c'est une inversion des données en politique. C'est-à-dire que... Et c'est une déformation dans le cas du Cameroun. Les gens créent des partis politiques pour des ambitions personnelles. Malheureusement, ça ne devrait pas être ça. C'est-à-dire la création d'un parti politique doit venir de la volonté de la base qui décide que par rapport aux problèmes que nous rencontrons, nous nous retrouvons pour mettre ensemble nos idées, nos projets et
proposer telle personne qui va nous porter le projet. C'est le cas, par exemple, du RDPC. Avec des appels du RDPC. Bien évidemment. Les gens du RDPC s'étaient d'abord. Les gens du RDPC s'étaient réunis où ? Et ont décidé que c'est Paul Biya que nous portons à la tête du RDPC. C'est des congrès. Ils avaient d'abord eu une idée. Vous rappelez, Abamenda ? Ils ont eu une idée. Ce 24 avril, mars... Ils n'étaient pas là à Bamenda pour la création d'un nouveau parti politique. Disons qu'ils ont transformé. Ils n'étaient pas là à Bamenda pour la création d'un parti politique. Peut-être que ce n'est pas ça notre débat. Mais je voudrais tout simplement dire... Parce qu'à Bamenda, il est clairement écrit « L'UNC devient le RDPC ». C'est pour ça que je voudrais demander que... Et c'est ce congrès qui a porté le président Biya à la tête du RDPC. On ne peut pas dire non. Okay. Je voudrais tout simplement dire que les individus, et ce que vous décrivez, vous avez raison, portent eux-mêmes leurs projets et viennent donc les imposer au peuple. Et là-dedans, le peuple, lui, se retrouve dans une roublardise des acteurs politiques. Or, dans ces conditions-là, le peuple même ne choisit pas. On impose au peuple un choix. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une déformation de la politique. Si nous rentrons dans des collectivités territoriales décentralisées pour être maire, c'est les populations elles-mêmes qui devraient dire que c'est elle qui sera notre maire, c'est elle qui sera notre conseiller, c'est elle qui sera notre député, c'est elle qui sera notre... ainsi de suite. C'est en fait cela. Et vous avez raison, les gens créent des partis politiques, ils se lancent donc dans la démagogie, pour dire que je veux construire les hôpitaux, quand j'essaierai au pouvoir, tout sera beau et tout, et tout, et tout. Et ça engendre... Et quand le pouvoir commence à mettre les gens en prison. C'est donc ça le drame. Merci beaucoup. C'est ce que j'appelle l'inversement de la politique. D'accord. Pierre Blériot Niemek, doit-on accorder du crédit aux hommes politiques? La sagesse de ce jour disait que la confiance nourrit de la sincérité. Est-ce que nos hommes politiques sont sincères? Est-ce que leur discours reflète leurs actions? Une fois que le discours n'est pas en adéquation avec les actions, on n'est pas sincère. Du coup, on ne nous fait plus confiance. Il y a crise de confiance dans certains cas, et dans d'autres, il y a carrément perte de confiance. D'où le recul même de la politisation de la société. C'est vrai que la réaction des Camerounais n'est pas la bonne. Au lieu de nous retirer du champ politique pour laisser donc, parce que la politique, elle va toujours se faire. Tout à fait. Vous participez, le jeu continue. Oui. Vous ne participez pas, le jeu se poursuit. C'est ça qui est dangereux. Donc, il faut participer pour que le jeu prenne le sens que vous voulez lui donner. Exact. Il faut participer. Donc, on doit faire confiance aux hommes politiques. Non, il faut participer. Non, répondre à sa question. J'en viens. Émile, mais ça n'est pas valable. Dans des choix. Non. Bien évidemment. Effectivement, une kyrielle de possibilités est offerte tout à fait à ceux qui doivent choisir. On a ce qu'on appellerait des candidats indépendants, même comme le RDPC a encore corsé cette affaire. C'est-à-dire que vraiment, pour être candidat indépendant, il faut que c'est le RDPC qui te choisisse. Ah, ici, il te faut 30 signatures. C'est le RDPC qui avait écrit ces textes. Mais c'est le RDPC qui a tout. Le RDPC a tout. Moi, je ne comprends même pas pourquoi on fait souvent. Alors, il te faut 30 personnalités. Mais au Cameroun, on a au moins 3000 personnalités. Mais qui sont toutes les deux? Si on te demande au moins 300. Regarde, tu vas faire comment pour qu'un haut commis de l'État signe ton document? Mais c'est ça le problème. Nous avons reçu des refus de l'administration, des préfets qui refusent de signer. Mais c'est les personnes qui doivent signer. Qui doivent signer. Mais il faut les convaincre. Il n'y a aucun moyen de les convaincre. Pourtant, ça vient d'autre chose que c'est la base. Non, c'est pas des gens enrégimentés. Le peuple doit demander qu'on lève de tels verrous pour que la volonté du peuple se manifeste. Mais ce peuple-là, il doit s'inscrire massivement sur les listes électorales. Une autre roubladise que nous vivons des partis politiques, que ce soit le RDPC ou les autres, c'est qu'on vous présente des candidats dans le cadre des élections locales, mais à la fin, on vous impose des individus qui ne vous avaient pas été présentés. C'est-à-dire, on trompe encore. C'est des manœuvres dolosives. On sait que c'est Aïssi qui est la tête de liste. Tout le monde veut Aïssi dans la Mofo Akono. Dès qu'on a fini de voter, pim, on te dit qu'il y avait un conseil. On va au conseil et que un nouveau sort là-bas.
Ce n'est plus à ici. Ce n'est plus à ici. On vient de tromper le peuple. On vient de tromper le peuple. Parce qu'on a utilisé l'image, la personnalité et la sincérité, le capital confiance que le peuple met en Haïti pour... Et je dis que ce n'est pas une pratique qu'on voit seulement dans le RDPC. Dans les autres élections, on a vu les chefs des partis politiques aller dans... D'ailleurs, on dit même de certains qu'ils vendent ses places. C'est-à-dire qu'après ça, maintenant, le chef du parti politique dit que pour être maire à Macaque, 50 millions, je te place, mais ainsi de suite. Donc, la politique est en train de prendre une très mauvaise orientation, une très mauvaise direction au Cameroun, au point qu'on ne fait plus confiance à personne. Dès que vous arrivez, on se dit que vous êtes là pour faire votre show comme vos prédécesseurs. Dès que vous aurez mangé, vous n'allez plus rien dire d'intéressant ou rien faire d'intéressant. Merci. Hein. Oui, monsieur, vous voulez dire un mot en Koé et Bobissé. Oui, je voulais juste ajouter qu'il ne faut pas seulement qu'on se focalise à la période électorale. Parce que nous, particulièrement, nous avons compris qu'il faut de façon continue qu'il y ait une activité politique qui soit marquante. Donc, nous avons pris sur nous de dénoncer un certain nombre de façon récurrente. Nous venons encore de publier, depuis le début de semaine, lundi, mardi, là, une tribune par rapport à la rentrée scolaire. Parce que nous avons ressassé, d'abord, un, ce qui marche, deux, les limites du système scolaire actuel, et surtout, nous faisons des propositions concrètes pour permettre, que l'environnement de l'éducation s'assainisse ou alors soit assaini. Donc, nous, ce que j'essaie de dire par là, c'est que entre 7 ans, entre l'ancienne élection, 5 ou 7 ans, selon le cycle, ben, il y a une activité politique qui doit être maintenue. Tout à fait. Pour amener même ceux qui ont volé ou alors arraché de force ou alors ont mérité l'élection qui ont été placés à la tête de nos cités, pour les amener continuellement à travailler, pour qu'ils comprennent que derrière, il y a un gendarme, excusez, permettez l'expression, qui s'assure qu'ils sont en train de faire leur boulot. Donc, on ne voudrait pas simplement, nous, le souffle nouveau que nous voulons apporter, nous sommes aujourd'hui à notre sixième message, mais c'est parce que nous voulons que de façon continue, qu'on sente, ou alors que nous rappelions sans cesse. Non, monsieur, encore pour aller dans le même sens, il faut dire que un vrai homme politique ne doit pas seulement se focaliser sur une seule élection. Parce que nous avons des hommes politiques ici où, s'il n'y a pas l'élection présidentielle, lui n'est pas là-dedans. Non! Lorsqu'on est avec sa base, on cherchera à être maire, on cherchera à être conseiller municipal, on cherchera à être même député, sénateur, ainsi de suite, pour prouver à ce peuple-là qu'on est prêt à porter ses aspirations. Mais le fait aussi, c'est que le parti, ce n'est pas la personne. Il faudrait bien qu'on comprenne, qu'on essaie de distinguer le parti de la personne. Nous avons une base. Je parle de l'idéologie du parti. Oui, j'ai d'accord. Du projet du parti. Dans la philosophie du parti, en dehors de l'élection présidentielle, il y a également la base qui nous attend au quotidien. Parce que lorsque vous êtes maire dans une commune, vous êtes au contact des réalités de la base. Ce que et c'est même par là qu'on peut d'abord vous juger, avant de penser que vous irez simplement au sommet. Parce que c'est aussi des déformations de nos hommes politiques. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a 360 communes au Cameroun. Voilà. Moi, Ibo Bissé, président de l'ADP, je ne peux pas être maire de 360 communes. Même déjà, une commune, c'est beaucoup. Mais je dis encore que le travail même de président national d'un parti politique, c'est un travail énorme de coordination. Non, il faut se dire les choses. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un parti. Voici le mois de... Nous sommes au mois d'août, mois de juillet. Je viens de parcourir l'Est... La Damawa, je devrais continuer dans le nord, mais le corps même déjà, vous sentez le poids, parce que à l'Est, j'ai parcouru tous les départements de l'Est. J'ai parcouru tous les départements de la Damawa. Et quand il dit parcourir, ce n'était pas passer une journée. C'est que je passais environ une semaine, parce qu'on a des flyers, on a des tracts que nous distribuons dans la population. On discutait avec les gens dans les marchés, dans les administrations, dans merci, les... Hein. Voilà. Donc, alors, il faut... Oui. On va lire encore quelques messages de nos nombreux téléspectateurs. Hein. Bonjour les glibous du micro. Bonjour dans les glibous du micro, Balaloba. Tu es unique frangin. Considère que je suis le tout premier adepte de ton église. Je suis un igliboussien.
à Massoma, à Blériot, au Motangia. La politique telle qu'elle est pratiquée chez nous est très loin de donner du crédit aux supposés hommes politiques, car la majorité sont des hommes d'affaires et des vendeurs d'illusions. La pratique politique nécessite l'abandon de soi, une vision profonde des projets de société. Mettre l'homme au centre de ses intérêts au Cameroun, il n'y a pas d'homme politique dans le sens profond du terme. Sinon, le chef de l'État a plus ou moins incarné les qualités d'un homme politique accompli. Après lui, c'est le ravin. Il a fabriqué des pseudo-politiciens qui ne peuvent pas s'assumer en tant qu'homme politique, raison pour laquelle il est le seul projet politique de son parti. Si vous posez la question à monsieur Messi de savoir qu'aujourd'hui, si le président de la République décide de ne pas se représenter aux élections, qui d'autre pourrait être leur candidat, il aurait du mal à répondre. Cyril Adoua. Abonné à ce numéro. Non, j'ai même répondu à cette question tout à l'heure. Bon, mais si. C'est-à-dire que la sollicitation vient de la base. Bia, le président décide de ne plus être candidat du 25, qui peut être quelles candidat quelles sont les figures dans le RDPC que vous pourriez nous proposer? On ne dit pas que je décide. Non, qu'est-ce que vous pourriez nous proposer? Vous pourriez. Ben, si on a fait français, toi et moi. Qu'est-ce que vous pourriez? Peuple. Oui. Est-ce qu'on résiste à l'appel du peuple? Qu'est-ce que le RDPC pourrait nous proposer comme visage? L'appel du peuple. On ne résiste pas à l'appel du peuple. L'appel du peuple est semblable à un appel divin. D'accord. C'est ce qu'il faut comprendre ici. C'est l'appel divin. L'appel du peuple. On ne boude pas l'appel du peuple. Est-ce que c'est l'appel du peuple ou c'est l'appel de l'État? Alors, on va lire d'autres messages. Parfait. Ici, je crois humblement que M. Messi ne répond pas à la question. La sagesse du jour répond clairement à la question. Parfois, on fait confiance à quelqu'un par sa manière de faire et sa manière d'être. Pour vous faire confiance, il faut une parfaite osmose entre dire et faire. Aucun homme ne ferait confiance à une vendeuse de piment. Mais s'il n'y avait pas de vendeuse de piment, on ne devait pas manger le soya. On ne devait pas manger le soya. Mais vous n'avez pas contre les vendeuses de piment. Alors, pour finir, dites aussi à votre ami de Ban Ki-moon que dans notre pays, on ne vote pas les gens sur la base d'un programme politique, mais plutôt sur la base d'autres considérations et qui pour la plupart sont subjectives. Mon ami de Ban Ki-moon, c'est qui? C'est moi. Parce que j'ai dit tout à l'heure que j'ai fréquenté, j'ai eu mon bac en Ban Ki-moon. Ah, d'accord, ok. Autre message ce jour. Bonjour Parfait, il y a tout ton panel. Parfait, pour que le jeu politique soit sérieux au Cameroun, on doit d'abord dissoudre le RDPC et l'ère des gigas. Ouais. Mais si vous êtes d'accord? Non, mais je suis très d'accord avec lui. Non, on ne peut pas dissoudre le RDPC. Et encore, et Bobby Cellule est d'accord. S'il y a un parti qui rassemble tous les Camerounais aujourd'hui, il n'y a que le RDPC. Mais je pense que ce n'est qu'un rassemblement de 360 communes. C'est le seul RDPC qui a des représentants, des élus un peu partout au pays. Et si on dissout le RDPC, le Cameroun va rester avec eux. Est-ce que c'est parce que vous avez des élus un peu partout au pays que vous êtes une bonne formation politique? Et représentés partout. C'est la preuve, puisque nous sommes en politique. Mais si on ne va pas aux élections et on a des postes, on saura qu'on est un parti politique. Comment? Bonjour, Parfait, et au plateau. Pour moi, accorder du crédit aux hommes politiques, et c'est comme accorder du crédit. Non, si je lis ça, on va encore commencer à tambouriner au niveau des réseaux sociaux. Donc, je ne lis pas la suite de ton message. Hein. Allons au 262. Il s'agit de quel pays, là? Mayotte. Je ne vois toujours. 262. C'est Mayotte. C'est quel pays, ça? Bonjour, l'homme parfait. Pour moi, il est important de rester critique et informé plutôt que de donner automatiquement du crédit aux hommes politiques. Il est préférable de juger leurs actions sur des faits concrets, de vérifier l'intégrité de leurs discours et d'exercer une vigilance citoyenne pour s'assurer que les élus agissent réellement dans l'intérêt public. C'est Alayane depuis Mamoudjou, Mayotte Comore. De leur projet. C'est de là qu'il envoie le message, hein. Mayotte Comore. Alors, il y a en plus 49 qui veut s'échapper là. Oh là là, il repart. Hein. Le plus 49, je pense que c'est l'Allemagne. Alors, que dit le téléspectateur de l'Allemagne? Lui fait la promotion de ses groupes électrogènes. Et il me dit que c'est Aoudia.
et que c'est un très bon prix et que c'est en provenance de l'Allemagne. Merci beaucoup. Si tu me donnes nom d'abord, un groupe là, j'essaie d'avoir pendant 6 mois. Je vais voir. Bonjour à vous sur le plateau. Et là, nous sommes au plus 33. Analyse très pertinente du visionnaire Émile Messi. Il est d'un charisme très exceptionnel. Nous, la jeunesse ayopiste de Paris, lui disons toute notre admiration. C'est Kélian Tanchou, alias Émile du Bango, qui envoie le message. Merci. Émile Messi, vous êtes très content. Hein? Il y a la jeunesse ayopiste de Paris qui vous soutient. Allons au plus 39, c'est l'Italie. Que dit le téléspectateur de l'Italie? Bonjour Perfecto et au panel. Vous savez, nous sommes aujourd'hui au Cameroun, encore dirigé par les indigènes, à qui le colon a remis le pouvoir il y a 70 ans environ. Bon, c'est peut-être péjoratif, hein. Le Cameroun n'est pas dirigé par des indigènes. Ces indigènes, vous insistez, il a connu la période de l'indigène. Font tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher que la culture démocratique s'installe franchement au sein de la population. Et c'est pour cela que de plus en plus, les Camerounais sont affamés et non pour seul objectif que la recherche de leur pitance. Du coup, la parole politique n'a plus de place dans leur tête. Pour eux, beaucoup de politiciens ont aussi faim. Je n'ai jamais compris pourquoi ce régime n'utilise pas sa diaspora de façon concrète pour développer ce pays. Au contraire, il combat cette diaspora avec des visas de plus en plus chers, des doubles nationalités à géométrie variable. Espérons qu'après Biya, un de ses proches ne revienne pas dans la continuité. C'est Ndobo de Ferrara qui envoie le message. Pierre Blériot Niemek, quand nous parlons du crédit que nous devons accorder ou pas aux hommes politiques, est-ce qu'il n'y a pas également une forte responsabilité du peuple? Je parle surtout du peuple camerounais. Est-ce que ce peuple camerounais n'a pas les hommes politiques qu'il mérite? Est-ce que le peuple lui-même est sincère, est logique, est cohérent, est pertinent? Parfait, vous avez répondu à la question. Tous les peuples du monde ont les dirigeants qu'ils méritent. Le caractère apathique, amorphe du peuple camerounais, ou le caractère complice même dans beaucoup de choses, vous voyez, quand un homme politique arrive, on sait bien qu'il avait menti la fois passée. Et Descartes nous dit, il est de la prudence de ne jamais se fier totalement à ceux qui, une fois, nous ont trompés. Mais le peuple vous dit que non. On aurait exorcisé cet homme politique. Cette fois-ci, il va dire... Il a changé. Au prix d'un morceau de pain, des choses comme ça. Un morceau de matin. Voilà un peuple ventriloque. Oh là là. Oui, oui. Le peuple camerounais, pour la plupart, réfléchit avec le ventre. On refuse de refuser de manger aujourd'hui pour pouvoir manger plus tard. Tout le monde veut manger maintenant et bien. Tout le monde a peur de manger mal. Tout le monde veut voir ses enfants grandir. Et c'est quelques-uns qu'on envoie à l'abattoir. Donc le peuple, c'est moi, je prie souvent que ces dirigeants demeurent. Parce que quand vous êtes même sincère, vous regardez ce que les Camerounais vous renvoient comme jugement, vous vous dites, mais est-ce qu'on a vampirisé ce peuple pour qu'il ne voit pas ceux qui sont vrais? Quand vous décrivez le parcours des hommes malhonnêtes depuis leur création, ils n'ont fait que mentir, tromper, violer, voler. Mais on les soutient. Alors, c'est comme dans nos petites communautés, dans les villages. Vous voyez quelqu'un qui a acquis sa richesse en arrachant les biens des autres, en piétinant, en torpillant. Mais il est vénéré parce qu'on dit qu'il aurait des moyens. Vous n'avez pas le même droit à la parole que celui qui est arrivé au sommet par des voies tortueuses. Donc, le peuple est bien complice. Et quand vous avancez pour défendre ce peuple, faites attention, parfait. Il n'est jamais derrière vous. Parce que si vous vous retournez, il n'est pas là. C'est ça. Donc, sachez que vous allez seul. Si quelqu'un me dit, les gens me disent souvent, mais quand tu parles comme ça, tu comptes sur... Je ne compte sur rien. Si on me prend, on m'a déjà pris. Donc, vous êtes seul. N'allez pas compter sur ce peuple. Et quand ce peuple réagit, même entre guillemets, c'est des réactions à géométrie variable. Oui, Emile Messi. Je voudrais un peu aller dans son sens. Pour dire que... Pour aggraver. En réalité... Nous avons opté pour la démocratie. Il y a la démocratie au Cameroun? Et Pierre Niemek, c'est une bonne question. Sait très bien que la démocratie n'est pas le meilleur système politique
Ça, il faut le dire. Est-ce qu'il y a un meilleur système politique? Oui, c'est lequel? Les Grecs l'ont expérimenté. Ils disaient que la démocratie, c'est le système corrompu. Est-ce qu'elle est le meilleur système politique? Écoutez, c'est pas là le débat. Nous sommes c'est toi qui as mené ce débat. Nous sommes aujourd'hui en démocratie pour dire que le problème qu'il soulève, nous au RDPC, nous le posons en termes d'éducation politique. Parce que tout compte fait, le peuple est souverain. Et comment le peuple doit donc exercer sa souveraineté? Vous avez souvent arraché la souveraineté. Mais c'est ça, c'est ça le problème. C'est justement ce que je veux donc dire, l'éducation politique. Non, le peuple veut même quelque chose. Au-delà de ce que nous décrions la corruption, c'est pas parce que vous avez mangé le macabre de quelqu'un que vous êtes tenu de le voter. Le vote au Cameroun est secret. Nous avons ce que je dis, éducation politique. Si dans ton fort intérieur, vous, les hommes politiques vont se présenter, on ne va pas vous dire qu'ils ne recevez pas tel pour politique ou bien ne recevez pas tel. Recevez tout le monde, écoutez-les. Et vous aurez donc le temps de choisir, de faire un bon choix sur celui dont le projet politique est. Est-ce que vous êtes quand même comptable, vous êtes comptable des résultats? Que nous disons que vous devez vous inscrire. Le moment venu, vous allez voter indépendamment des partis politiques. C'est ça l'éducation politique. Et que le résultat qui sort de l'urne reflète la volonté du peuple. Et quand les urnes viennent sur le plateau. Au-delà de manipulation parfaite ici, nous sommes dans les villages. Nous, les hommes politiques, avons également le devoir et l'obligation d'éduquer ces populations. Très bien, c'est politiquement. Ouais, encore ébobissé. La crédibilité, je ne suis pas très d'accord avec mes deux copanélistes. Merci, bien, j'y arrive. Donc, parce que la réalité, c'est que le peuple a du mal à s'identifier à travers les élections. C'est pour ça que nous voulons un peu nous départir de la qu'on focalise les hommes politiques ou bien le résultat politique au résultat électoral. Parce que dans l'immense majorité des cas, nous avons l'impression, le sentiment qu'on nous a imposé des personnes qui ne reflètent pas forcément le résultat des urnes. C'est ça le vrai problème. Donc du coup, en 90, ou un peu... On a eu des phases où le peuple s'est levé comme peuple, mais le point c'est qu'il n'y a pas eu de résultat. En fait, le résultat à l'arrivée n'était pas celui escompté. Même, je continue encore à le dire, parce que le RDPC, en fait, il n'est pas dominant parce qu'il fait la meilleure des politiques, mais c'est parce que c'est l'appareil étatique qui se sert dans les 10 régions, dans les 58 départements, et je vais continuer dans les 360 communes. Donc, aujourd'hui, la fragilité de ce qu'on appelle opposition ou alors des autres membres, des autres acteurs politiques, de la faible représentation. A voté majoritairement pour l'opposition. Mais c'est des hommes politiques qui n'ont pas mérité la confiance du peuple. Ah, donc, on va dire que c'est le peuple. Non, ce n'est pas à l'Assemblée nationale, le peuple, le